Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue de la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Dragon Ball FighterZ. Fighters, je ne sais pas trop comment on le dit. Donc, j'ai un petit peu joué entre temps, histoire de m'entraîner si je puis dire. Du coup, j'ai un petit peu de zénith. Du coup, autant en acheter un petit peu. On va acheter 10 capsules. Hop. Et on est bon. On va voir ce qu'on va tomber. Et... Okay. Apparemment, j'ai 3 personnages. Une emote apparemment, j'appellerais ça une emote, un truc comme ça qui est en or, donc apparemment assez rare. Une colorisation en or. Deux couleurs normales et deux tags de titre. Imagine. Ok, donc couleur personnalisée Son Goku, Super Saiyan bleu, couleur 7, 3 étoiles, donc j'imagine que c'est ça qui était en rare. Couleur perso séduite, couleur 12. Titre réflexe supérieur, couleur perso Vegeta Super Saiyan, couleur 12. Police du temps, ça c'est cool. Perso du hall, sel parfait, couleur 10. Perso du hall, Captain Ginyu, couleur 2. Titre Meassian, vignette Z 111. Perso du hall, Bou enfant, couleur 5. Ok, je te le dis, à tes souhaits. Visitez la boutique si vous le dis. Bah, du coup, j'ai assez pour une deuxième. On va le faire, c'est pas grave, on n'est pas à 2 secondes près. Fais péter. Hop, j'ai pas. Ah, d'accord, j'aurais peut-être dû attendre. Couleur perso Vegeta Super Saiyan, couleur 7. Carte guerrier, couleur base 2. Titre étudiant modèle, pièce Z premium. D'accord, on peut tomber des pièces premium dans la boutique, ça c'est cool. Titre Super Obénite, ok. Couleur perso Yamcha, couleur 12. Couleur personnage du hall, Bulma, couleur 04. D'accord, je peux prendre Bulma dans le hall, c'est cool. Couleur perso Trunks, couleur 07. Couleur perso Gotenks, couleur 09. Titre piéton. D'accord. Et donc on avait dit la customisation, c'est ici. Sélectionner ton personnage du hall. D'accord. Alors j'ai vu beaucoup de gens avec celui-là, donc on va me demander effectivement où c'est ça. Jace. Bulma, on va prendre Bulma, c'est pas grave. Éditer les vignettes Z, j'ai quoi? Tout. Soutien. Ok. Alors j'ai cru voir 111. Ce serait celle-ci. D'accord. Okay. Bon, on va partir pour l'histoire. Alors Bulma, c'est cool de l'avoir. Oui, donc j'ai supprimé la caméra, pourquoi? Parce que j'ai fait de l'entraînement, comme j'ai dit, et je me suis rendu compte que je tire beaucoup la langue. Du coup, autant éviter de vous mettre cher avec ça. On va faire continuer l'histoire et on reprend là où nous en étions. Bon. Obviously, on a différentes choses à faire avec différents chemins. Donc on les fera tous. Hein. Alors, reste à savoir comment ça va se passer. Donc je vais pas tous les faire d'un seul coup. Donc là, ça peut être sympa aussi. Et là, on a celle potentiellement. On va aller là. C'est pas mal l'aspect jeu de plateau. Ah, j'ai pas de... Ok, penser avoir un combat ou un truc. Ah, rejoins l'espace ennemi pour lancer le combat. Les combats rapportent de l'XP pour gagner en puissance et en niveau. Les niveaux de liaison déterminent l'aptitude des alliés liés. Un niveau de liaison élevé permet à son groupe et ses amis d'être plus puissants. Alors bats-toi pour devenir plus fort. Aucun perso sélectionné. Modifier mon équipe. D'accord, ça met dans l'ambiance. Oui, il me balance ça avant histoire que je. Voilà. Okay. Ah, c'est un didacticiel toujours. Oh, ça va être chiant. Excusez-moi, il y a un petit peu trop de didacticiel dans ce jeu. Bon, c'est intéressant parce que bah, bon, le problème c'est que j'ai déjà fait. Moi j'ai coupé un truc. D'accord, donc ça c'est un des drones, un des clones. J'ai plus envie d'appeler ça un drone. Donc là c'est bien Sangoku qui pense. Parce que nous on est complètement absent. C'est ça. Je me suis beaucoup j'ai fait beaucoup la réflexion. Bon, ça va, s'il y a un clone de Krillin, on n'est pas trop en danger. Oh mon dieu, tu m'expliques comment c'est possible qu'il y ait un jeu vidéo avec des adversaires qu'on puisse voir en double et en triple. Par contre, elle est cool la posture de l'autre, j'aime bien. Je sais pas si on peut la voir nous aussi, mais. Je sais pas si ça a un rapport avec le combat. Mais...
Ça c'est Sangoku. Hashtag, y a un mec qui effraie la Terre. Oh, ça va être de l'échauffement. L'univers, c'est le combat, mais sinon le reste, c'est l'échauffement. C'est sympa. En tout cas, ils ont bien respecté les personnages. Ça, c'est vraiment très très cool. Et on a l'impression de voir de l'animé, quoi. Ça, c'est cool aussi. Ah merde, c'est d'accord aussi. Excuse-moi, j'avais pas capté que t'étais en train de me faire. Voilà. C'est bon, t'as fini? Voilà. Ça va? Il est déjà KO! Il est déjà KO, c'est nul! Bah, oh, parle, mais pas complet. Bon, bah. Génial. Ah, j'ai terminé le didacticiel apparemment, c'est cool. Je savais pas que je l'avais fini. Je pensais qu'il allait y avoir un combo heavy normalement, parce que ça, c'est les touches moyennes, légères, moyennes, il y avait lourde normalement derrière. On a fait le Kikoa en premier. Pourquoi pas? Bulma! Oh là là, ça me fait tellement penser au doubleur. Je sais jamais, je me rappelle jamais de son nom, je suis désolé. Le doubleur de Vegeta, je suis désolé de jamais me souvenir de votre nom. Bah non, vu que. D'accord. Compte sur moi, je vais y arriver. D'accord, je t'écoute. Et sur un gros bouton rouge, génial. D'accord. Verdict. Waouh, joli effet, j'aime bien aimer. Ah, apparemment, ce serait bien lui. Bon, bah c'est cool. Oh. Allez! Ah non, même pas. Je suis aussi faible qu'un petit chaton! Pas qu'un chaton! Qu'un petit chaton! Imaginez la puissance du truc! C'est limite négatif! Puissance moins 1. Oh merde! Je sais plus comment ils appellent ça. Je crois que c'est 2000 de puissance, ils appellent ça 2000 de puissance. Ce jeu m'emmerde. Est-ce qu'on peut pas utiliser directement les Dragon Ball et qu'on en finisse? C'est ce qu'il vient de dire. Bon, d'accord, il me parle de bowling. ソン君らしいわね。<笑>それじゃあ、ソン君の体の中にいる誰かさ。とにかく今の状況だと。おい、これはもう1つ目のゲーム。よし。それじゃあ16号を捜索しつつみんなを助けに行くわよ。Comme d'hab。お。デブ弱ってんけど誰かの気を見つけたぞ。 Zip. Allez, zip. Krilinda. De dire que Krilin était faible. Le Krilin est faible. Ou alors c'est parce qu'il est encloné et du coup aussi, lui aussi, il est faible. Physiquement. Encore plus que d'habitude. Espace sauver un personnage, d'accord. Espace du axel de combat. Élimine les ennemis de la carte pour gagner une technique ou un bonus de KO. Tu peux utiliser 3 techniques à la fois, profitant de toutes tes combattants.
Plus de KO augmente la quantité d'XP, les ennemis ou les santé gagnés dans la... D'accord. Intéressant. Où suis-je, qui suis-je, dans quelle étagère, d'accord, ok. Bah écoute, je vais m'amuser moi. Hein. L'art du combat. On va aller faire tous les didacticiels. Bon, cela dit, ça va être face à tous les personnages, donc ça va être cool. Mais bon, si j'avais su qu'il allait y avoir un didacticiel, je me serais pas emmerdé à faire un didacticiel avant. Voilà. Allez. Attends. Tiens. Tiens, c'est marrant. Tiens, c'est marrant, j'arrivais pas. Bon, c'est pas. Voilà, bon. Ah. Dégage. Voilà. Allez, on se dépêche. Ah. Calme. Ah, ok, bah c'est fini. Est-ce que tu connais peut-être ça? Voilà. Manger la terre, tu connais peut-être. Pas mal, hein. Bon, hop. Les... Level up. Non, non, apparemment non. J'ai cru. Par contre, apparemment, la santé que je... Ah ! Me prévenez pas, surtout. Ok. Récompense, puissante attaque, plus un niveau. Écoute, vas-y. Espace trop éloigné. Oh. Vas-y, c'est parti! Jeu de plateau, littéralement jeu de plateau. Mais c'est ce que. C'est ce qu'on vient de faire, on est d'accord! Ah, il m'attaque. D'accord, avant il m'attaquait pas. On va quand même en finir bien. Hein. Voilà. Ça, c'est fait. Une petite finition sympa. Voilà. Ok. J'ai quand même terminé le défi. C'est cool. Bon bah pourquoi pas. Et je regagne de la santé apparemment à chaque fois. Cool. C'est pas mal, c'est pratique. Oh. Ah bon. Ok. Apparemment j'ai deux ennemis. Récupération de santé niveau 3. Vendu. J'aurais peut-être équipé les pouvoirs que je gagne. Peut-être. Bon, on va essayer de faire ça quand même. Là c'est pas un didacticiel, c'est un vrai combat. Bouffe. Alors pourquoi tu sors pas? Ah bah voilà. Oui. Joué. Joué. Pourtant normalement, je suis censé pouvoir diriger le Kamehameha vers le haut, je crois, de mémoire. C'est rigolo que je ne puisse pas. Ah non ? Ah bah oui ! Ah, j'arrive pas à faire ce que je veux. Ah, j'arrive pas. Bon, j'ai le problème, c'est que j'ai pas vraiment la plus aussi le comble de soucis de jeu. Et du coup, je suis pas bon. Je veux bien le reconnaître. Hein. Je suis pas bon dans ce style de jeu, en tout cas pour l'instant. On va voir si à force de jouer, je vais m'améliorer ou pas. Alors, tu m'avais dit qu'il y avait une possibilité de modifier les techniques. Technique du joueur. Ah!
Voilà. Jamais il m'affiche bien technique disponible, mais... C'était pas une technique, ça? Alors. Ah, là, c'est une technique. Défense plus 1. Ok. Je pense que la récupération de PV, c'était en fait simplement un bonus à la fin. Et pas comme dans les derniers, la récupération de PV, c'était la récupération de PV constante, très très lente ou un peu plus rapide en fonction du niveau que vous aviez. D'accord, pourquoi pas. Ah d'accord. J'avais pas remarqué qu'on était en train de... Okay. Ah, mais si tu me dis pas quoi faire avant qu'il m'attaque... Voilà. Tu m'attaques? Ah. Allez, attaque. Oh Marcus. Allez. Oh, il veut pas tirer. Aïe. Boum. Ça c'est fait. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est, je peux le faire, je peux le sauter que quand il saute en face de moi. Il y a une espèce de... Ah oui, alors ça c'est tout le tutoriel. Je suis pas fort. Je vais pas vous faire de guide. Je suis pas fort dans ce genre de jeu. Hop. Ça sert à rien que je vous fasse des guides. Je ne suis pas fort. Donc je vais pas vous donner de conseils. Je suis pas... Il y a des chaînes qui sont bien plus intéressantes pour vous. Technique de l'ennemi, d'accord. Récompense. Krillin est disponible. D'accord, ok, ça y est, je viens de comprendre comment ça marche. Wouh ! Je viens de faire attention à l'interface, du coup je l'ai compris. Pourquoi pas. Toujours en train d'être défoncé au sol. Bon. Oh, un clone de Krillin. Il s'est fait buter par son propre clone. Ah non, il va se faire buter par son propre clone. Tu veux dire que c'est à moi de le faire plutôt, c'est pas du tout pareil hein, quand même. Par contre, est-ce que t'as vraiment besoin de passer en Super Saiyan pour buter Krillin? Ah, c'est vrai que c'est un Krillin niveau 2, ça va être dur. Alors j'ai pas vu s'il allait être un... Est-ce que c'est un mec mort moi en plus? Dégage. Ok. Ouf. Ça c'est des choses qu'on pourra pas faire en vrai. Ah, j'ai pas réussi à le faire, désolé. Voilà. Ça c'est fait. Bon bah Krillin niveau 2 battu. C'est vraiment pas difficile, hein. Heureusement qu'ils se défendent pas. J'ai l'impression d'être en entraînement là, c'est. Vous savez, contre le mannequin à l'entraînement. C'est un peu nul. Ok. Allez, on se réveille, Krillin. Yo, Goku, j'en ai pas. J'ai bien cru que t'allais y passer. Kokoa, doko da? Genre lui il est pas capable d'affronter son soi, enfin son clone. C'est alors l'avion. Pris de vertige. Exactement comme Goku se faisait comme quand Goku se faisait pomper son énergie par les cyborgs. Il
C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Kuririn, yoku kiite ne. Ima, iroiro to taihen na koto ni natteru no. Voilà. Tout est expliqué. Sonna koto ga attan desu ka? Ano 16-ho ga ikiteru nante. Ureshii kedo, oretachi no teki tte iu no ga. Arrêtez de croire que s'il est en vie, c'était un robot. Lui, il est 100% machine. Hoka no minna mo tasukete yaritai shi. 16-ho no shin mo shiritai. Ore mo issho ni tatakau ze. Na, Goku. Ah, mochiron da. Chotto matta. Et là, on va arriver sur un des éléments que j'ai du mal à apprendre, c'est l'utilisation des assists. J'ai du mal à penser à l'utiliser. J'ai fait beaucoup de combats hier soir, j'ai dû faire à peu près 2 heures de combat. J'ai du mal à utiliser mes trucs. Je suis monté à niveau de 60 de puissance des ennemis sur 100. Pas mal. Mais enfin, plus compliqué que ça. J'étais à 50, je me suis arrêté de faire du 50 à partir du moment où j'arrivais à affronter mes 3 ennemis en face avec un seul personnage. Bah oui, bien sûr, je peux posséder qui je veux. Lynx. D'ailleurs, si vous avez une 3DS et que vous aimez l'univers Dragon Ball, il y a un super jeu Dragon Ball, alors je ne me rappelle plus du tout du nom, mais vraiment génial. Une espèce de RPG Dragon Ball. Ça, soして link している anta. Kuririn no naka ni idoushite. Ça peut pas marcher. Ah si ! Oh merde ! Ça allait être tellement drôle, ces gens, ils se regardent, ils sont hyper sérieux et moi je fais bah non, ça marche pas. J'ai pas envie d'être Krilin. Et voilà, je viens de perdre après les 40-50% de ma puissance. On va considérer qu'ils sont très très faibles. La seule qui va savoir ce que ça fait, c'est ses 18. Pardon, c'était un peu nul, mais... Pardon, c'était très très nul. Mais bon, c'est pas grave. T'as vu ça? Je suis trop fort. C'est toi qui jetteras les haricots Senzu. Et moi je préférerais combattre avec Son Goku, hein, clairement, en termes de puissance. Mais bon, c'est un jeu de combat, ils ont équilibré les persos. C'est pas faux. C'est pas complètement faux. Alors, je pousse un tout petit peu le micro. Tu pourrais me regarder au moins moi, genre la caméra, tu sais. Ou dans Krilin. Après chaque combat, les personnages ayant combattu en récupèrent un peu et ceux qui sont reposés en récupèrent beaucoup. Si la santé de tous tes personnages atteint 0, tu perdras, alors pense bien à changer de souvent de combattants pour que tout le monde puisse se reposer. En gagnant de nouveaux alliés, tu ne seras jamais à court de combattants. D'accord ? Il n'y a pas que Son Goku et les autres combattants qui gagnent des niveaux, il y a aussi les autres ennemis, et leur niveau de liaison augmentera à chaque tour. Mais l'avantage, c'est que 20 fois des ennemis plus forts te donnera en plus d'XP. Et selon la carte qui se trouve, un ennemi terrifiant pourrait bien surgir des ombres. Tu as sauvé Krilin, un jeu de ce personnage et pourrait modifier ton équipe et accuser depuis l'écran. Ok. Et donc, j'ai 20 tours, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, c'est bon, on est bon, à force de faire des jeux de plateau. Récompense, drain partiel. Ah, bon, parler justement de récupération de vie, bah je pense que ça va être ça. Ah, le super clone de Trunks. Trunks est un de mes personnages préférés. Dommage qu'on n'ait pas la version de lui que j'adore, c'est la version hyper musclée. Je trouvais hyper cool le fait qu'il puisse affronter son père. Enfin, j'aurais bien aimé voir l'affrontement entre les deux. Hop. Allez, viens. Oh, pardon.
Hola, Odreta. On va percuter, c'est ça que tu voulais. Ah merde, j'ai changé aussi. Belle ennemi pour en finir, cool. Ah oui, je sais pas ce que fait le Kaioken, mais... le Taioken, pardon. D'accord, je vais jeter des cailloux. Ah bah voilà, on a vu ce qu'il faisait. Ok. Alors on va essayer de faire un truc stylé. Merde. Ah bah attends, je pensais pas qu'il ferait autant de dégâts avec un petit coup en fait. Mais je pense que c'est à cause de l'autre... des autres sagas de jeu. C'est stylé quand même. Wouh! Super stylé! Super stylé ça, mon cher Krillin! Drain partiel, ça c'est cool, on va pouvoir récupérer plus de PV, je pense. Peut-être de l'énergie, je ne sais pas trop. En tout cas, c'est pas mal. Voyons voir ce que ça vaut. Défense plus, on peut le mettre. Drain partiel. Où est-il? Là. Donc, drain partiel, récupérer une portion des dégâts infligés à l'ennemi sous forme de santé. Ça c'est cool. Ok, du coup nous on va se laisser là au bout de 25 minutes d'épisode, chers amis, merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, et moi je vous retrouve dans le prochain pour la suite des aventures de Goku et de Krillin.